Good morning, allez, Idan et Tus aujourd'hui, lire Fouat, Chayarivka Batlea, Sarah Batnechama, Hanale, Abad Gitel, Devor, Abetor, Chakol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Michel, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Psachim, Perik Hemishnatet, Ketsad Otolin ou Mafshitin. Un Keliyot, Shel Barzel, Ayuk Vuim Baktalim, Uba Amudim, Shebahen Tolin ou Mafshitin. Vechol mi, Shehen lo makom litlot ou lehafshit, Maklot Dakim, Chalakim, Ayusham. ומניח על כתפו ועל כתף חברו, ותולה ומפשיט. רבי אליעזר אומר, 14 שיכה להיות בשבת, מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו, ותולה ומפשיט, et c'est tout pour le moment. Et là, on continue le rituel du Corban Pessah, de tous les jours, c'est-à-dire que ça tombe n'importe quel jour de semaine, ou même quand ça va tomber le Shabbat, il y aura une petite précision sur ça. Qui, donc jusqu'à maintenant, on a bien expliqué comment on faisait entrer les groupes d'Israël pour faire la shrita, à la chaîne, pour asperger le sang. Après, on avait parlé dans la mishnah précédente, lorsque le Ham Israël va maintenant ressortir, et comment on va nettoyer, on va vider le sang, qui traînait par terre, c'était le sujet de la mishnah précédente. Il y avait, maintenant la mishnah vient nous expliquer, bon, tu as fait le Korban Pessah, mais le Korban Pessah, ça n'implique pas que d'asperger le sang sur le misbéach. Il faut aussi récupérer certaines graisses qu'on va bientôt découvrir dans le fromage Baïkra, le fréquent tout le korbanot, le chélev, shalakerev, la klayot, la kyotareta kaved. Il y a des parties de l'animal qu'il faut, des parties de graisse de l'animal qu'il faut donner sur le misbéach. Donc en fait, chaque korban pessah, une fois qu'on avait fini de faire la shrita, il fallait le dépecer et sortir ces parties-là et les mettre. Les préparer pour les kohanim pour qu'ils les fassent monter sur le misbéach, pour les brûler. Alors, donc il fallait donc dépecer l'animal. La Mishnah m'enseigne, Ketzad Tolin ou Mafshitim, comment est-ce que l'on suspend l'animal et le mouton, ou et comment donc on l'accroche, on le suspend, ou Mafshitim, et on le dépece. Lafshit, ça veut dire dépecer, retirer la peau. Un keliyot shel barzel ayuk vuim baktalim. Il y avait des unkeliot, ce sont des clous en fer, des crochets en fer, qui étaient fixés, shayukvuim, baktalim ou baamudim, sur les murs et sur les amudim, il y avait des poteaux, en ce qu'on appelait les nanasim, pour ceux qui se rappellent de Midot, il y avait des poteaux qui étaient dans la Zara, où il y avait dedans des clous qui étaient accrochés, shebaen tolin ou mafshitin, que sur eux on suspendait l'animal et on le dépeçait. Tout celui qui n'avait pas réussi à trouver de place pour accrocher le Korban Pessah, ouais, alors quoi? Maklot Dakim Chalakim Ayusham. Il y avait une solution, un système D pratique, qui avait des Maklot Dakim, comment dire, des tiges fines, lisses, Ayusham, ils étaient là-bas. D'accord, ils avaient en fait des pics, des sortes de lances, je ne sais pas comment dire, des pics. Et que quoi? Umeniach al ketefo, al ketef chavero. J'ai vu une photo où c'était bien expliqué, parce que j'ai du mal à imaginer la scène, mais en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a dans les pieds, il y a des nerfs, d'accord, plutôt dans les chevilles, il y a des nerfs très costauds. Et en fait, entre le nerf, il y a certaines ouvertures comme ça, où il y a la possibilité là-bas de mettre le pic, ce grand pic qui est long. Donc comme ça, on accrochait dans les pieds, on suspendait l'animal, on prenait deux personnes qui se tiennent debout, ils l'accrochent comme ça, un sur un, l'autre sur l'autre, et on a l'animal maintenant qui est suspendu entre nous, quelqu'un qui vient, qui ouvre le ventre et qui récupère les graisses à récupérer. D'accord? On refait ça dans les mots. Maklot dakim chalakim ayusham. Il y avait des tiges fines, lisses, qui étaient là-bas. Il a suspendu une, il le mettait sur son katef, sur son épaule, valketef ravero, et sur l'épaule de son copain. Vetole ou mafshit. Il le suspend, et grâce à ça, ensuite, il pouvait lui ouvrir la dépecer pour ensuite sortir les graisses. Comme ce qu'on va dans la prochaine Mishnah, on va préciser comment sortir les graisses. Rabbi Eliezer enseigne, Arba asar shechaliot beshabbat. Attention, je t'apprends une exception à la règle. Si le 14, il est tombé à Shabbat, donc on va revenir en fait doucement sur le fameux cas particulier du Korban Pessah que l'on a porté à Shabbat,
Alors, a priori, je te demande de faire comment? Manière Yado al Katef Ravro. Je te demande, cette fois-ci, tu n'utilises plus ces petites tiges. Ouais, ces branches ou ces tiges, mais quoi? Manière Yado al Katef Ravro. Tu mets la main sur l'épaule de ton copain, et lui, il met la main sur ton épaule. J'ai pas tellement compris cette fois-ci la scène, ça veut dire quoi? Moi, j'attrape en fait un pied, et je fixe bien ma main sur l'épaule de l'autre. Lui, il fait la même chose sur mon épaule, et comme ça, on le bloque. Et Veyad Raverol qui était faux, donc la main du copain sur son épaule. Vetolo Mofshit, et comme ça on se contente de le tenir pour qu'on va pouvoir le dépecer. Le problème de Rabbi Eliezer, c'est d'utiliser les maklotes, d'utiliser les tiges, qu'il considère comme muktzé, un interdit de placer un objet à Shabbat qui n'a pas de. Dont la fonction elle est de transgresser Shabbat. Et puisque, même si concrètement, cette fois-ci, tu en as besoin pendant Shabbat, mais puisque tu peux contourner la nécessité, alors tu n'as plus le droit de l'utiliser. D'accord? La halakha n'est pas établie comme Rabbi Eliezer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.